Ah, le berger belge à la maison, le malinois. Voilà, les amis, c'est une aventure. Et il faut. Ce que je vais vous dire, c'est un peu déchirant, mais il faut aller contre sa nature. Parce que un malinois, il va venir volontiers avec vous. Hein. C'est un chien qui est très près du maître. Quand je dis malinois, c'est berger belge en général. Ce sont des chiens très près du maître. Ils adorent être avec leur maître. Parfois même, ils sont super collants. C'est difficile. Par contre, le fait de vivre à la maison, c'est pas bien pour un malinois à cause de son anatomie, son physique. C'est un chien qui a besoin de beaucoup d'air. C'est un chien qui a besoin de beaucoup bouger. Donc l'aération se fait beaucoup. Il aime bouger et respirer. Donc quand il vit cantonné dans une maison ou dans un foyer où il fait un petit peu chaud, ça lui pose un problème sur sa santé et sur son physique. Alors avant on avait un système, je ne sais plus si aujourd'hui c'est toujours d'actualité, mais quand on sélectionnait un étalon par rapport à nos femelles, moi ce que je faisais chez moi, c'est qu'à 8 ans, c'était fini. Compétition, portée, etc. Terminé. À 8 ans, la chienne est à la retraite. Donc je lui laissais le choix. Soit elle voulait venir vivre avec nous à la maison, soit elle restait dehors comme elle voulait. Et j'ai eu les deux. Et c'est d'où mon interrogation. Avant, on choisissait un étalon, on demandait toujours au propriétaire de l'étalon comment il est socialement. Est-ce que c'est un chien qui est près du maître? Est-ce qu'il est collant, etc. Parce que vous avez deux types de bergers belges. Vous avez aujourd'hui le plus gros noyau, c'est-à-dire le chien qui veut être avec vous, qui veut vivre avec vous, mais vous avez aussi celui qui « j'ai pas besoin de toi pour vivre ». Voilà, il y a deux styles. Et lorsqu'on avait une lignée où les chiens étaient un petit peu trop dépendants du maître, entre guillemets, hein, parce qu'il faut que le chien soit dépendant du maître, bien sûr, on faisait attention à choisir un étalon qui était très indépendant. Et on travaillait beaucoup sur ces deux pôles. Je sais pas si aujourd'hui les jeunes font toujours ça. Mais nous, on y veillait, parce qu'on se retrouvait avec des chiens hyper pot de colle et dans les maisons, des fois, bon, le chien il a eu une promenade, une séance de drainage, il est encore collé à nous, tout ça. Bon, au bout d'un moment, il faut lui dire, écoute, t'as une vie aussi, moi aussi j'ai une vie, voilà, il faut bien séparer les choses. Ah oui, c'est délicat parce que si vous mariez que une lignée entre elles, que des chiens qui vont être hyper près du maître, hyper près du maître, hyper près du maître, c'est pas bon de travailler que sur un seul pôle. Déjà, vous allez détruire sa primitivité parce que bon, il faut aussi qu'il ait que certains chiens aient des éléments d'indépendance. Hein. Il ne faut pas qu'ils soient toujours collé à son maître, il faut aussi qu'il soit capable de faire des choses seul. Donc voilà, ça c'est un peu plus compliqué dans l'élevage, il faut faire attention à ça. Et les jeunes, si vous n'étiez pas au courant, ben voilà, je vous ai donné une petite piste à un peu à fouiner, voir un peu comment sont vos lignages. Voilà. Et bien voilà, chers amis, nous arrivons à la conclusion et j'espère que j'ai pu éclairer quelques débutants et laver un peu l'honneur des anciens et des vrais cynophiles qui ne se sont pas retrouvés dans ce débat. Alors, quand je dis des vrais cynophiles, je parle des ringers, je parle des pratiquants de discipline canine. C'est dommage de jeter l'opprobre comme ça sur une discipline parce que quelqu'un a subi quelque chose ou qu'on a vu des gens faire des idiots dans les clubs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendu, si c'est réel, il faut en parler et régler le problème. Mais il ne faut pas vouloir interdire une discipline ou condamner quelque chose sans comprendre.
et sans demander à des personnes qui vraiment maîtrisent le sujet, au moins leur avis. Idem pour le type de méthode employée ou le matériel. On parle de beaucoup de choses, mais vous savez, dans le matériel, il n'y a pas que les colliers punitifs ou je ne sais quoi. Il y a aussi d'autres. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a les méthodes avec la balle, le boudin, le cliqueur. Il y en a qui travaillent avec une récompense de nourriture. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je ne connais pas tout ça. Je n'aime pas travailler avec un. Comment vous dire, avec un procédé qui mettrait le chien plus en éveil sur la récompense que sur ce que je lui demande. Voilà pourquoi je ne travaille pas avec ça. Je ne récompense, je ne donne jamais de nourriture. Bon, je vois souvent des petits films comme ça avec des collègues qui me disent « Tiens, j'ai réussi à avoir une belle marche au pied avec une croquette quand il est petit, mes positions je les fais comme ça, etc. etc. » D'ailleurs, quand vous allez passer vos examens de moniteur, éducateur, niveau 1, puis après celui pour le mordant, c'est ce qu'on vous demande. Quand j'ai passé mes examens, on m'a dit, voilà, on va t'apprendre avec la méthode naturelle, à mettre un chien couché avec une croquette, assis, tout ça. Donc moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je ne suis pas là-dedans parce que je fais autrement. En ce qui concerne mes positions, par exemple, j'aime bien que le chien soit en accord avec moi tout de suite sur ce que je lui demande. Donc pour ça, je prends une table, je me mets devant, je me mets à sa hauteur. Donc quand il est tout petit, je le pose sur la table devant moi et je commence à travailler mes positions, assis, couché, etc. Et je lui apprends et je répète et je répète et je répète. Et au bout d'un moment, il a très bien compris et il le fait, pas proprement, mais il le fait joyeusement. Et après, je mets ça au sol et puis je commence à retravailler mes positions puisqu'il connaît le mot, il sait à quoi ça correspond. Donc, on arrive toujours à avoir une relation. Donc, je me sers pas de croquettes ou de. Il y a des gens aussi qui tiennent une balle comme ça, autre chose comme ça, ou un cliqueur. Dès qu'il fait un truc bien, je récompense. Non, je lui explique ce que je veux. Il me restitue ce que je lui ai expliqué. Voilà, c'est un peu ce que. C'est même tout à fait ce que André explique dans la vidéo, dans la démonstration sur le plateau TV. Idem pour les sauts. J'ai vu beaucoup de copains qui font ça, qui récompensent avec des balles ou des choses comme ça. Moi, je ne fais pas ça parce que dans le débourrage, j'aime bien que le chien soit hyper motivé sur l'exercice. Donc, je préfère qu'il ait son attention, en fait, sur l'exercice plutôt que sur la balle ou le boudin qu'il aurait derrière ou qu'on lui lancerait pour le motiver ou choses comme ça. Ça, je suis pas pour. Après, pour les retours, si le chien a besoin d'un petit plus ou si vous voulez accentuer vos retours d'attaque ou choses comme ça, ou siffler, ouais, pourquoi pas, hein, une balle, un boudin, etc. Moi, je ne suis pas trop pour ça parce que en concours, il ne les a pas, quoi. Et comme il n'a pas ce genre de récompense immédiate, j'ai toujours peur qu'un jour ou l'autre, il fasse la différence entre l'entraînement et le concours, et ça, j'aime pas trop. Donc, voilà, ce que je fais, c'est que ce que je vous ai expliqué, cessation, le chien revient très vite, il se couche, et il repart pour mordre. En fait, si vous voulez, cette tenue... exemplaire, c'est un grand mot, mais cette tenue, cette belle tenue qu'on arrive à avoir sur le terrain pour éviter des conflits à l'entraînement et pour que la répercussion au concours soit propre, on instaure des protocoles. Et ce protocole s'instaure dès la sortie du chien du véhicule. On ouvre la cage de transport, le chien sort pas n'importe comment, fait pas n'importe comment. Il sort, il s'assoit, on lui met son collier et la laisse. Moi, j'avais une laisse belge, donc ça fait les deux en même temps. On part, sans tirer, sans rien, on part calmement. On arrive sur le chemin de détente. On va détendre le chien. Le chien part, il fait ses besoins, etc. Il se détend le temps qu'il faut. Ensuite, on fait un petit échauffement parce que bon, il faut toujours échauffer le chien avant de rentrer sur le terrain. Il faut qu'il soit chaud.
surtout en hiver où ça pourrait être dangereux. Donc on le fait sauter un peu, on le fait courir un peu, etc. On joue un peu. Moi, j'aime pas trop jouer pendant les protocoles parce que le chien peut vite partir en vrille. Donc voilà, on le fait courir, etc. Toc, je le discipline. Je lui fais une piste au préalable. Moi, j'aime bien faire des pistes un petit peu avec le protocole du petit bois. On met le chien assis, pas bouger. On va poser un objet assez loin. On fait demi-tour, on revient, on fait sentir la main. Hop, le chien part. Hop, il trouve son objet, on le cache un peu, tout ça. Il le ramène, ça. Tac, et après, je discipline jusqu'à l'entrée du terrain. C'est-à-dire que le chien, il doit être au pied jusqu'à l'entrée du terrain. On donne son matériel au commissaire, comme si on était en concours. Et hop, ça y est, on démarre l'entraînement. Voilà le protocole que je fais à l'entrée. Un protocole qui nous avait été expliqué par François Lelevier, qui lui aussi est très discipliné. C'est peut-être la personne que j'ai rencontrée qui est vraiment au niveau rigueur le plus pointu. D'ailleurs, ce que je dis tout le temps, j'ai eu trois maîtres. J'ai eu Alain Savigna qui m'a enseigné la technique, André Noël qui m'a enseigné la philosophie et François Lelevier qui m'a enseigné la rigueur. Donc on pratique comme ça et ça marche très très bien. On n'a pas besoin de rentrer dans des choses plus compliquées que ça. Ensuite, et il ne faut pas oublier ça parce que c'est extrêmement important, le chien de compétition doit absolument avoir une condition physique exemplaire. Donc ça aussi, ça se travaille. Hein. Donc ça se travaille dans le domaine physique pur, c'est-à-dire natation, course. Quand je dis course, c'est footing hein, pour que le chien ait de la caisse pour pouvoir travailler un certain moment sur le terrain parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et puis il faut aussi, si vous voulez, lui apprendre à se réguler entre exercices pour se calmer, etc. Un chien comme Hiro, vous avez vu, il est très chaud, il aboie souvent. C'est dans la lignée, ils avaient cette particularité où ils étaient comme ça. Ils étaient très énergiques et bon, ils avaient un dynamisme très, très fort. En plus, un caractère pas toujours facile. Donc, il fallait vraiment tempérer le chien parce que bon, si on est en hiver, ça va. Mais si on est en été et qu'il fait très chaud, le chien puise vite dans ses ressources. Donc ça, il faut faire aussi très attention selon le chien que vous avez, bien le connaître pour pouvoir le travailler en compétition et le réguler en concours entre les exercices. Ce qui est important dans la recherche de cette condition physique, c'est que les protocoles doivent être liés. C'est-à-dire que vous avez un protocole d'entrée de terrain avec un échauffement, une mise en place, une préparation mentale à l'entraînement, aux exercices, etc. Vous faites votre séance et quand vous sortez, c'est pareil. Vous avez un protocole de sortie avec une détente. Alors, si vous voulez que votre chien récupère vraiment bien de séance pour conserver une bonne éducation, une bonne condition physique, vous devez absolument
le redétendre. Hein, il n'est pas question de le remettre dans la voiture parce que l'entraînement est fini. Hein. Ça, c'est interdit, ça. Vous devez le redétendre pour qu'il refasse ses besoins, pour qu'il se soulage, que son influx se stabilise, pour qu'il redevienne calme, avant de le remettre dans la voiture. Alors là encore, on avait un protocole que nous avait expliqué François Lelevier. Quand on sortait du terrain, on le faisait, après la séance, on le faisait marcher, donc il récupérait. Ensuite, on allait à la voiture, on avait un petit tabouret, ceux qui n'ont pas de tabouret, des fois les grands pare-chocs des voitures arrière suffisent, mais nous on aimait bien avoir, on avait un petit tabouret pliant, on aimait bien avoir ça, parce que on disait au chien de mettre ses pattes sur le tabouret, donc il se mettait sur le tabouret, pattes avant, pattes arrière tendues, on le brosse avec une petite étrille, comme ça on active le flux sanguin du chien, et ça le rend plus susceptible de refaire ses besoins après, dans la détente. Voilà, donc on l'emmène, on lui donne sa balle, il l'a bien mérité après une bonne séance, il va se promener, il fait ses besoins, on fait une bonne promenade de récupération, on vérifie que le chien est stable, on le fait boire un peu s'il a soif, parce que des fois les entraînements, ça puise un peu, on le fait boire, alors pas trop non plus, mais il faut quand même l'hydrater correctement. Et une fois qu'on est certain que le chien est bien, il est redevenu à son état normal, voilà, on le félicite, c'est bien gamin, et hop, il rentre dans sa cage de transport. C'est mieux laisser le coffre ouvert pour que l'air circule, que les chiens, surtout, je vous expliquais que le Malinois, c'était un chien qui avait besoin de beaucoup d'air, mais en fait, tous les chiens de compétition ont énormément besoin de respirer, hein, parce que tout passe par là quand même. Si vous avez fait du sport vous-même, à un niveau, même pas haut niveau, mais un sport qui demande quand même beaucoup d'entraînement et même en amateur, mais d'un bon niveau, vous savez qu'il y a trois choses à travailler: le physique, la technique, mais aussi le mental. Et bien vous voyez, pour le chien c'est exactement pareil. Donc il faut activer de temps en temps un renforcement positif. Le renforcement positif passe et par le physique, mais aussi par le mental et ce que le chien va comprendre de ce que vous lui demandez. Par exemple, sur retour d'attaque, on va dire voilà, le chien part couché, il est nécessaire qu'il revienne couché. C'est important pour que l'exercice, la bonne tenue de l'exercice, c'est bien et pour vous et pour le chien. Par exemple, le chien part couché, pas bougé, il part, donc il part à l'attaque, pof, il meurt, coup de trompette, cessation, il revient, il se couche. Et dès qu'il est couché, attaque, il repart. Donc vous allez instaurer une compréhension de l'exercice, ce qui va faire que vous allez éviter que le chien traîne à la sortie ou choses comme ça. Par contre, si la cessation n'est pas nette, si c'est pas propre, il revient au pied, vous ne le renvoyez pas à l'attaque. Hein. Il n'est pas question de ça. Il faut lui dire tu vas à l'attaque, je siffle, enfin, tu vas à l'attaque, coup de trompette, tu te prépares, je siffle et tu reviens au pied. Hein. J'attends un petit peu ou quoi. Hein. Faut que tout ça ce soit bien net, clair dans la tête du chien. Alors si vous faites vos retours au bout d'un bâton, pareil, coup de trompette, sifflet, le chien revient, au bout d'un bâton, hop, vous récupérez votre matériel, couchez, attaque. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Normalement, vous devriez, si vous avez travaillé comme ça depuis que le chiot il est jeune, vous devriez jamais avoir un problème de cessation qui va demander du matériel incroyable comme ce que j'ai entendu dans la vidéo. Donc c'est quelque chose qu'il faut instaurer tout de suite quand le chien est jeune, et ça marche. De même qu'en obéissance ou en éducation, je vois souvent des gars, des propriétaires lambda, hein, qui disent deux fois l'ordre, trois fois l'ordre, quatre fois l'ordre, et le chien obéit toujours pas, quoi. Ou alors il obéit au cinquième. Nous, on ne fait pas ça en compétition. L'ordre est donné une seule fois. Et si on n'est pas sûr du résultat, on ne donne pas l'ordre clé.
Si par exemple vous avez le haut pied en compétition, c'est quelque chose de hyper important. Quand on dit haut pied, il faut que le chien, on soit sûr, si la distance qui vienne, on soit sûr que si on démarre un exercice comme la marche, X au pied, on est sûr que le chien fasse l'exercice. Si par exemple il est à distance et qu'on a oublié la longe ou qu'on a oublié la petite cordelette quand le chiot est petit, on dit viens ici, viens là, mais jamais on dit au pied. Quand on dit au pied, il faut qu'on soit absolument sûr et certain que le chien va venir. Sinon, on ne le dit pas. C'est Alain Savignac qui nous avait enseigné cette méthode au départ. Et si vous lisez le livre L'Art du Ring de Daniel de Bonduve, qui est, je crois, en téléchargement gratuit sur Internet, regardez le chapitre. Ce n'est pas un rappel, mais un super rappel. Vous allez comprendre pourquoi il vaut mieux prendre des précautions quand on dit au chien au pied. Vous savez, quand on pratique une discipline canine, on ne travaille pas pour une saison, on travaille pour une carrière. Le chien va passer son XO, alors le XO c'est un examen qui détermine ses facultés mentales d'équilibre, hein, pour être certain que le chien soit carré, bien dans sa tête, pas de problème. On commence par le brevet national. Et après, selon la discipline que l'on a choisie, on a des échelons. On n'arrive pas comme ça au niveau. Hein, tout ça, c'est échelonné. Donc, le chien a une carrière. Et quand vous arrivez à un niveau ring 3, vous savez, déjà, ring 2, c'est déjà un bon niveau. Hein. Mais ring 3, là, c'est une marche supplémentaire, c'est au niveau. Puis après, les sélectifs, etc. La finale avec beaucoup de travail. Et voilà. Donc vous vous doutez bien que pour mener un chien sur une carrière, un dresseur, avant de prendre les dispositions extrêmes que j'ai entendues sur la vidéo, il va peut-être bien réfléchir. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il aime son chien. Donc c'est quoi l'intérêt de le persécuter ou je ne sais pas. C'est quelque chose que j'arriverai jamais à comprendre. Et quand j'entends des gens dire ça, je suis toujours étonné, je dis mais vous l'aimez ou pas votre chien? Quand moi j'ai des chiens parce que je les aime, hein. Ça c'est le petit A. Et le petit B, est-ce que vous croyez sincèrement que le mec, après avoir bossé des heures et des heures et des heures et des mois et des années, va prendre le risque de blesser son chien? Ah là les amis, soit on a affaire à un malade mental, soit on a affaire à un inconscient, soit on a affaire à tout sauf à un cynophile, hein. Mais avant de commencer le ring ou une discipline canine, quelle qu'elle soit, il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, ne partez pas dans le flou. Renseignez-vous sur la discipline que vous voulez pratiquer. Si par exemple vous voulez pratiquer le ring ou le mondial ring, renseignez-vous, étudiez un petit peu. Pourquoi cette discipline a été mise en place, par qui, comment et à quoi ça sert. Ça déjà c'est la première des choses. Une fois que vous avez compris un petit peu les rouages de la discipline, ensuite vous vous renseignez sur le type de chien que vous souhaitez acquérir. Alors, pour ça vous allez dans, ce que je vous conseille c'est d'aller dans des concours, regarder un petit peu les chiens, il y en a qui vont vous intéresser, voilà. Vous renseignez des origines de certains chiens qui vous plaisent. Ensuite, vous contactez des éleveurs compétents. Hein. Allez pas prendre des gens qui font de l'élevage de berger belge parce que c'est la mode. Hein. C'est pas ça. Il faut prendre des gens qui maîtrisent bien leur sujet. Vous voyez ça avec eux. Vous demandez à les rencontrer. Vous regardez un petit peu leur élevage, comment sont leurs chiots, comment il procède quand le chiot est petit, etc. Donc vous vous donnez le maximum de disposition pour partir avec quelque chose de clair et net au départ. Voilà, parce que si vous ne savez pas ce qu'est le ring, si vous ne connaissez pas bien les lignées, si vous ne connaissez pas bien
Les éleveurs, savoir où vous allez acheter votre chiot et tout ça, alors là, vous êtes déjà mal parti. Ensuite, ne vous cantonnez pas qu'à un club, celui qui est le plus près de chez vous. Ça, c'est pareil, hein. C'est stupide, c'est qui tout double. Soit vous tombez sur un super club et tant mieux pour vous, parce que vous allez pas vous ruiner en carburant pour aller au club, et c'est tant mieux, hein. Moi, j'avais malheureusement pas toujours cette chance. J'ai eu des clubs qui étaient un peu loin de chez moi, mais vous savez, parfois il faut aller chercher la compétence un peu loin, hein. C'est comme ça que ça marche. Et puis surtout, partez du principe que le débourrage, c'est super important. Tout part de là. Un chiot bien débourré, vous allez gagner un temps considérable. Donc, débourrez correctement votre chiot, et les hommes d'attaque du club, les entraîneurs de club que vous avez, choisissez quelqu'un de très très compétent pour débourrer votre chiot. Ça, c'est très 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 important. Il faut que la qualité du débourrage soit proportionnelle à la qualité de votre chiot. Il faut que les deux choses soient complètement liées. Laisse-moi engueuler. Voilà. Allez, Titi. Ouais, Titi. Allez, bébé. Allez, bébé. Allez, Titi. Allez, allez. Oh, le tracteur. Oh, le tracteur. Voilà. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Allez, mon bébé. Oui. Allez, 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 allez. Allez, allez, mon bébé. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Là, c'est mieux, ça. Voilà. Oui, ça, c'est bien. Allez, oui, oui
Allez, mon bébé. Oui, ça, c'est du boulot. C'est tout ça. C'est bien, mon bébé. Ouais. C'est filmé, on verra la caméra. C'est bien, mon bébé. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bah, c'est mieux, ça. Ah, c'est nettement mieux, là. Ça, c'est mieux, le choper. Il a chopé. C'est bien, Doudou. C'est bien, ça. Non, quand je vais l'attraper, le verre, voilà, c'est parti. Bon, le mien, il a un coup, mais il lui sert à rien, son coup. Tu sais, il arrive pas à tourner la tête en dehors de son corps. Ah, t'as pas assez une mort, mort sur 15. Attends, mon bébé, voilà. Oui, oui, voilà, oui. Allez, toi, Jordan. Oui, ça, c'est bien. Allez, mon bébé. Oui, voilà. Oui, ça, c'est voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est bien. Oui. Oh, il se bagarre. Allez, il se bagarre. Oui. Il faut bien comprendre, si vous voulez, que les disciplines canines, le ring comme le campagne, ont été inventées par des gens qui étaient là pour sélectionner des chiens. Parce que justement, le bon chien fait que la discipline fonctionne. Donc le bon chien, la bonne discipline et les bons dresseurs pour les mettre en place. Voilà, là encore, tout est lié. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver deux écoles. Vous allez trouver une école de pure et dure à l'ancienne qui mettent la sélection en base de tout. Et vous allez trouver une deuxième école où les entraîneurs vont axer le côté sportif. Le ring sportif, le monde du ring sportif, etc. Ils vont vraiment voir une discipline de sport à part entière. En fait, il faut les deux. Il faut toujours que la balance pèse un petit peu plus du côté sélection. Parce que du sport, il y en aura toujours. Par contre, sélectionner des chiens par le biais d'une discipline, vous savez, une discipline, c'est une grille de lecture. On permet d'analyser dans la discipline des aptitudes. À l'intérieur de ces aptitudes, il y a des qualités. Et à l'intérieur des qualités, il y a des valeurs. Et comme ça, on arrive à noyauter une génétique pour pouvoir continuer d'année en année de trouver de très bons chiens sur des lignées établies, fixées à la base, pour pouvoir continuer le sport. Et surtout, ces chiens, cette grille de lecture, va servir à nos administrations. Parce que nos administrations, la police, l'armée, le GIGN, le RAID, tout ça, tout les sauveteurs, etc., ont besoin de chiens très courageux et doivent avoir une lecture par rapport à une discipline. Ils veulent des chiens qui sautent, qui courent, qui obéissent, qui n'ont pas peur de se confronter à quelqu'un, qui soient capables de pister, de trouver des objets. Enfin, il y a plein d'aptitudes qui permettent à nos administrations de puiser dans le cheptel de nos chiens de compétition. Voilà. Sans la compétition canine, ces gens-là n'ont plus de chiens. La sélection canine, par le biais des disciplines, et donc des dresseurs et des éleveurs
et des hommes d'attaque qui représentent tout ça, est d'une importance capitale. Par contre, il faut que tout le monde écoute cette discipline. Plus la discipline est forte et pointue, plus la génétique sera sérieuse, appliquée, et nous ne pourrons pas avoir, si vous voulez, des chiens moyens pour pratiquer. On reste toujours au niveau de l'élite. Et il ne faut jamais avoir peur de se remettre en question. Par exemple, vous avez vu sur la démonstration du volume 3, Hiro. Hiro, c'était un chien, un très bon chien de compétition, mais c'était surtout un super chien dans la vie. Vous voyez, il a une génétique précise. C'est compliqué à expliquer comme ça à un novice, mais quand vous produisez des chiens de cette qualité, vous ne pouvez qu'être heureux en tant qu'éleveur de voir ce type de chien. En fait, Hiro, comme Drakkar, le chien que vous avez vu en préambule sur cette vidéo, ce sont deux fils de Itusque des Deux Potois. Alors si vous voulez savoir qui était Itusque des Deux Potois, vous allez sur Cinecino, vous cliquez dans vidéo, vous allez voir, toutes les vidéos vont se dérouler et vous allez voir Itusque des Deux Potois. J'ai fait un film sur ce chien, tant il était extraordinaire. Donc nous, éleveurs, on était bien obligés de se servir de ces chiens fantastiques pour pouvoir créer à notre tour un noyau génétique dans notre lignée. Donc nous nous sommes servis de grands chiens comme ça. Et Drakkar a été un des tout premiers de cette lignée à briller à haut niveau. Ce chien est né chez Eric Cavaillé, qui est un éleveur, un dresseur d'attaque, juge aujourd'hui, vraiment une sommité dans le monde cynophile. Et lui, au départ, il avait très bien compris que ces lignées étaient fantastiques. Donc nous avons suivi son idée et son avis, et nous avons travaillé avec certaines de ses recommandations, parce que c'était quand même lui qui maîtrisait le mieux ce type de lignée, et nous avons eu des résultats conséquents. Sur cette lignée, puisque Hiro est né chez moi, sa sœur, Indiana, était elle aussi une très bonne chienne de compétition, et je l'avais mariée à Mustang des Loups Mutins, qui lui était un chien de l'autre génération, de l'autre système de Malinois que je vous ai expliqué. Lui, c'était « t'inquiète pas, je fais ma vie, j'ai pas besoin de toi ». Donc j'avais uni ces deux courants de sang, parce que les deux axes de sang se mariaient très bien, et j'ai eu une très très bonne portée. Et sur cette portée est né Rio, que j'ai offert à Frédéric Matuzac, pour le récompenser d'avoir emmené Hiro au titre de vice-champion de France. Il s'est avéré que Rio était un chien exceptionnel également, mais beaucoup, beaucoup plus dur et difficile à mettre en place que Hiro. Il n'avait pas cette faculté de disponibilité qu'avait Hiro pour travailler en symbiose et en relation avec Frédéric. Ce qui s'est passé, c'est que Rio, très têtu, c'est un super chien, pas de problème, hein. Mais bon, il avait envie un peu de faire ce que lui, il avait envie de faire. Et pourtant, il avait été mis par Ikiro, hein, proprement, correctement, sans excès, sans rien. Donc Frédéric s'est pas pris la tête, voyant que le chien n'était pas fait à 100% pour le ring, c'est-à-dire qu'il aurait fait une carrière en ring, mais il aurait été au sélectif sans jamais briller à la finale. Il a changé de discipline. Et il a été champion de France. Vous voyez ? Des fois, il faut savoir aussi se remettre en question. Vous voyez, mes amis, la remise en question dans nos disciplines, elle est obligatoire. J'ai eu le même problème avec Bokken. Bokken, au départ, c'était une chienne pour faire du ring. Elle a fait du ring. Mais elle a surtout fait du monde du ring. Et grâce à elle, je suis deux fois finaliste. Je gagne un concours international en monde du ring. J'aurais jamais pu faire ça en ring avec Bokken. J'aurais fait les sélectifs, mais bon, j'aurais été un petit nid, vraiment en bas des sélectifs, j'aurais rien pu faire voir aux copains, ne serait-ce que déjà la qualité de la chienne, parce que c'était une chienne qui ne supportait pas les mises en place carrées. Non pas que je l'avais mis
différemment des autres, mais elle aimait pas ça. Donc elle aimait pas sauter, elle aimait pas jouer et elle aimait pas les mises en place. Donc elle n'était pas faite génétiquement pour ce type de discipline. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'école du ring pour l'entraîner et après j'ai fait du monde du ring. Et là, elle a trouvé sa voie. Dans le monde du ring, c'était moins strict, moins carré, etc. À l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une discipline. Oula, j'ai vu les derniers concours. Hein, ça devient pareil, pointilleux comme le ring. Vous avez d'ailleurs tort de faire ça. Il faut garder un petit peu de jeu en monde du ring. Hein. Le monde du ring, c'est pas du ring. Hein. Et si vous voulez, avec Boken, on a fait une belle carrière. Et pourquoi s'en priver? Pour se dire, voilà, moi je vais faire du ring. Non. C'est le chien qui choisit, hein. c'est pas le maître. Il ne faut pas non plus être complètement obtus et se dire voilà, j'ai ce chien, il fera du ring. Non, s'il est mieux en campagne. Parce qu'en définitive, Boken, sa discipline de prédilection, c'était le campagne. Mais bon, j'ai pris un intermédiaire avec le monde du ring. Parce que le campagne, c'est compliqué. Hein. Il faut trouver des terrains, il faut trouver un lac pour faire nager le chien, des rivières, etc. Donc bon, il faut un temps fou. Tout le monde ne fait du pistage, tout ça, tout le monde ne fait pas toujours du campagne. Donc voilà, j'ai pris l'option monde du ring et ça a très bien marché. Voilà. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, de prendre un plaisir, chien et maître. Voilà. Le plus bel exemple, si vous voulez, c'est quand on arrive à joindre les deux. Moi, je vois par exemple quand on a un chien exceptionnel comme Hiro. Hiro, il a eu des très bons résultats en ring, il a eu des très bons résultats en monde ring, parce qu'il était aussi finaliste en monde ring. Et que dire d'un chien comme Clash des Deux Sabres ou Hot Dog des Deux Sabres? Hot Dog et Fabrice, ils ont tout fait. Il a été finaliste en monde ring, il a gagné tous les championnats régionaux, ring, mondiaux, etc. Finaliste en monde ring, champion de France de monde ring, champion du monde de monde ring. Finaliste en ring. La même année, il a fait passer une sélection d'hommes d'attaque. Le chien, lui, se prête à tout, donc c'est super. Christian Cadenet avec Extra des Deux Sabres, c'est une femelle, il a fait pareil. Voilà, il y a des gars comme ça, quand ils arrivent à s'exprimer avec le chien, ils arrivent à tout faire. Moi, je retire mon chapeau à ces gars-là. Voilà, ça, c'est des exemples à suivre. Alors voilà, une fois que vous avez fait un avis de tout ça, que vous avez un petit peu regardé, vous savez aujourd'hui, nous dans le temps on avait une revue, on avait deux, trois revues cynophiles qu'on recevait, c'était bien pratique parce qu'on avait des conseils, on avait des résultats, on avait tout ce genre de choses. On avait une revue comme Chien sans laisse c'était génial, parce qu'on avait tout, on avait des explications, des interviews, et c'était vraiment bien. Aujourd'hui, si vous voulez des renseignements, bon, c'est pas ce qui manque sur internet quand même, mais si vous voulez des renseignements sur des races précises, vous avez des clubs de races. Alors là, vous pouvez pas trouver mieux. Évitez les trucs sur internet, connaître le malinois en 10 minutes, mon chien beau chien en 5 minutes, et non, c'est le berger allemand en 10 leçons, et choses comme ça. Non, j'ai un demi-siècle de cynophilie derrière moi et j'apprends encore des choses, hein. Donc vous savez, il faut rester humble et modeste et juste réussir à trouver des explications sur une génétique. Déjà aujourd'hui c'est déjà compliqué, on y arrive, hein, parce qu'on comprend les choses et comment ça tourne, mais pour un novice c'est impossible. Donc si vous avez une race de prédilection, moi par exemple c'est le malinois, je suis tombé amoureux du malinois. Vous savez, des fois on a une race de cœur comme ça, on sait pas trop pourquoi. Moi je suis tombé amoureux de ce chien, je me vois pas concourir avec une autre race de chien. Bon, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est moi. Maintenant j'ai des amis, vous leur donnez un berger belge, pas de problème. Vous leur donnez un berger allemand, pas de problème. Vous leur donnez un bosseron, pas de problème. Je dis là encore une fois chapeau, mais c'est très bien. Ce sont des cynophiles complets. Voilà. Moi j'ai une race de cœur, j'aime le malinois, je ne me vois pas concourir avec une autre race. Voilà. Peut-être qu'à la limite, j'aurais essayé un lacénois. Vous voyez, compétition, pourquoi pas. Mais voilà. Mais c'est le malinois
et je ne vois que par le malinois. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, attention, il y a des races extraordinaires. Berger hollandais, berger allemand, attention, c'est des super chiens. Voilà, donc si vous avez une race de cœur, ne cédez pas à la mode en se disant voilà, le chien qui fonctionne en compétition, c'est le malinois ou ça. Non, prenez le chien qui vous intéresse, renseignez-vous sur les tenants et les aboutissants, quels bons éleveurs ont eu de bons résultats, allez les voir, discutez un peu avec eux, déplacez-vous au national d'élevage, c'est super important. Tous les ans, nous, par exemple, dans le berger belge, au mois d'août, on organise une nationale d'élevage. Là, on a plein de gens qui viennent, des professionnels évidemment, hein, parce que c'est fait pour ça, des amateurs aussi. Alors, quand on dit amateur dans une race, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est amateur de la race. C'est pas quelqu'un qui est amateur, voilà, qui débute ou choses comme ça, c'est quelqu'un qui est amateur. Amateur, hein, de l'étymologie de la race. Là, vous rencontrez des cynophiles, vous discutez avec eux, et puis voilà, on arrive toujours à déclencher des passions et à parler aux jeunes qui veulent se lancer dans la cynophilie, parce que nous, en définitive, les anciens, on est là pour enseigner aux jeunes. Si on n'y a pas de jeunes derrière, après, il n'y a plus de cynophilie. Donc, vous voyez, c'est une chaîne, en fait. Alors voilà, mes amis, on va conclure là-dessus. Hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. Après, si vous avez des questions, bah, vous faites comme d'habitude, hein, vous me les envoyez et puis on discute de tout ça à tête reposée. Vous voyez que c'est pas la peine de trop s'échauffer comme ça dans des débats et de partir un petit peu dans tous les sens quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. Vous savez, la cynophilie, en général, c'est un spectre large. Hein. Imaginez que demain, vous ayez des pratiquants de discipline qui disent... Qui monte un dossier et un débat à charge en disant voilà, moi j'ai vu des éducateurs faire des trucs débiles dans des clubs avec des colliers, des machins, vous vous rendez compte, il faut interdire l'éducation. Je pense que les éducateurs qui eux sont propres, qui font les choses correctement, avec passion, avec déontologie, ils vont peut-être bien aller voir les gars en leur disant non mais dites non, pour qui vous prenez là, oh, nous on travaille pas comme ça, oh. Donc voilà, il ne faut pas jeter l'opprobre sur une discipline ou sur une profession ou sur quoi que ce soit, ou même je vois sur les chasseurs, des fois il faut voir un peu ce qu'ils prennent les gars. Puis, moi j'ai vu des chasseurs super clean quoi, hein. Donc il faut arrêter un petit peu toutes ces histoires de fous. Bientôt on va interdire l'agility parce que le chien risque de se tordre une patte après un saut, ou le flyball parce qu'il arrive trop vite sur la balle ou choses comme ça. Il faut... Pour raison garder, à un moment il faut pas partir dans des choses stupides, et il faut aussi bien comprendre une chose, c'est qu'au niveau des disciplines canines, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la sélection fait que nous avons des chiens pour ça. Ce n'est pas le chien de monsieur tout le monde qui peut faire du ring, du campagne, du monde du ring, etc. Ce sont des chiens sélectionnés, hein, là-dessus faut pas perdre ça de vue surtout, hein. Après, vous savez, n'est pas cynophile qui veut, ce sont les anciens qui vous décernent le titre de cynophile. Et quand un ancien vient vous voir et vous serre la main en vous disant « Salut camarade, je suis content de m'adresser à un cynophile », vous savez, ça c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut vous faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur ces vidéos, vous les regardez un petit peu, vous me donnez votre avis, et puis si vous avez des questions, je vous le dis, n'hésitez pas. Salut les amis, à bientôt.